Asleba, bienvenue à tous. Merci à vous de vous être déplacés. Bienvenue à la Web Debate numéro 6. Nous sommes très ravis de vous accueillir ici dans l'espace Nawed pour notre série de débats qu'on a démarré depuis septembre et qu'on continue de façon assez régulière pour aborder des thèmes assez variés touchant à l'actualité et pas que, et aux thématiques dont Nawed traite tous les jours. Nous vous rappelons qu'on est à la Foire du Livre, on a un stand à la Foire du Livre, nous serons ravis de vous voir et pour découvrir nos travaux sur Nawed Magazine. Et ce soir, pour le Nawed Debates numéro 6, nous avons choisi d'intituler le débat « Liberté de la presse en Tunisie, quel blocus et quelles issues ?» avec les poursuites en justice, les entraves à l'accès à l'information, la législation liberticide, la précarité économique. La liberté de la presse n'a jamais été aussi mise en péril que depuis la chute de la dictature. Le classement RSF tombé ce mardi 3 mai confirme cette tendance avec une inquiétante 121e place. Ces dérives autoritaires sont bien là et le recul des libertés également. Quel bilan tirer de la situation du coup de avec nos invités. Samir Bouaziz, bienvenue. Vous êtes représentant Reporters sans frontières en Tunisie. Marilyn Dumas, vous êtes correspondante de médias français et francophones, j'en cite quelques-uns, Figaro, Ouest-France, Middle East Eye, en Tunisie et en Afrique du Nord, et co-autrice de Jours tranquilles à Tripoli en 2018 avec Mathieu Galtier. Themelma, vous êtes journaliste à Nawed, vous dirigez Nawed Magazine. Vous étiez mentionné hier par le jury du prix Ismaïl Dbara pour la liberté d'expression pour votre article « Et si on appliquait le décret 54 au président Kais Saied ?» Question très intéressante d'ailleurs. Vous allez nous spoiler la réponse juste après. J'aimerais commencer tout d'abord par le commencement, puisque c'est un fait d'actualité. J'aimerais commencer par Semir. Cette 121e place, avec une chute de près de 20 places par rapport au classement précédent. Quel premier commentaire vous pouvez en donner ? D'abord, merci pour Nawed, pour cette invitation et cette initiative. Comme vous le savez, je suis l'arabisant de l'organisation, mais à la présence de notre consoeur. Donc je vais essayer de... Et la Tunisie a fait cette chute pour la deuxième fois. Donc on a perdu 27 places. Et ce n'est pas pour la Tunisie seulement, mais pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. Donc, je veux clarifier que pour la deuxième fois aussi, on a changé de critère. Donc, c'était essentiellement sur l'environnement de travail des journalistes, mais depuis deux ans, on travaille sur la situation globale des pays. Donc, il y a essentiellement sept critères sur la question politique, économique, socioculturelle, juridique et sécuritaire. Donc il y a un bon avancement, bien sûr, sur la question sécuritaire dans tous ces pays. Or, que pour les autres critères, vraiment, c'est la recul, sauf la Mauritanie qui a avancé de quelques points sur ces deux volets pour les critères. Certains aspects politiques, sociaux, mais aussi sur la situation des journalistes. La question des exactions, ça reste l'intérêt du classement des critères, et on est appuyé chaque année par un comité d'experts, sept experts de cinq pays. C'est pour l'analyse qualitative, parce que notre équipe travaille essentiellement sur la question quantitative. C'est vrai qu'il y a le décret loi 54, mais jusqu'à maintenant, on a seulement deux textes de loi, le décret loi 115 et 116. Il n'y a pas une volonté des autorités.
travail journalistique et un journalisme de qualité, il y a aussi des volontés pour les médias alternatifs et associatifs. Nawet, par exemple, vous faites un bon travail, mais ça, on ne compte pas la question du contenu journalistique. Parce qu'il y a quand même une diversité, une pluralité. RCF a passé de l'observation de la situation de la liberté de la presse à la défense d'un journalisme libre, indépendant et pluraliste. Donc c'est pour ça, peut-être qu'on a aussi pour les critères, on a changé et il y a on a inclus tous les aspects qui concernent un État, mais on ne juge pas le mode de à tout le classement, c'est dans le top 10 des pays qui ont le plus reculé. Donc, et comme vous l'aviez souligné, par rapport à la région Afrique du Nord, seule la Mauritanie a fait une progression. Les autres pays sont au-delà de la 120e place, qui est déjà même au niveau du code couleur du classement. On bascule déjà vers des situations assez inquiétantes. J'aimerais commenter de Samuel, puis de... Seulement, il remarque qu'il y a aussi Liban, qui sont 19. Et il y a aussi le Qatar à 105, mais il faut expliquer que pour ce pays, ils ont essayé de faire une ouverture parce que, comme vous savez, pour la Coupe du Monde, il est sous les projecteurs, comme il a cité un de nos collègues. Donc ils ont essayé de faire une ouverture, on espère. Est-ce que cette année-là, c'est le commencement ou on est de retour en plein dans la dictature? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce classement? Merci, Firas. D'abord, nous remercions le public très nombreux parmi nous aujourd'hui. Nous vous prions de ne pas vous bousculer pour éviter les mouvements de foule et autres accidents et incidents sécuritaires. Bon, pour commencer, je pense que... Tout d'abord, bien évidemment, ce classement se base sur un ensemble d'indicateurs que Samir a largement évoqué, bien expliqué. Cependant, cette liberté a toujours été fragilisée. Elle a toujours été précaire. Nous avons des plus influentes et importantes et pérennes. Donc c'était provisoire et tout le monde avait convenu lors de la promulgation de ces deux décrets-lois que ce sera provisoire. Malheureusement, c'était un provisoire qui a duré et qui a duré carrément 12 ans et qui se prolonge aujourd'hui. Ça d'un point de vue législatif. Du point de vue politique, bien qu'il y a eu de nombreuses déclarations... liberticides et qui ne sont pas évidemment ces deux décrets-lois, mais le code pénal et le code des télécommunications. Et ensuite, on a consolidé l'arsenal juridique répressif avec la loi antiterroriste. La question des libertés a bien été consolidée par la Constitution de 2014, mais la Constitution de 2014, c'est un très beau symbole, mais encore faut-il...
parfaitement consolidée politiquement. Les agressions policières se sont poursuivies et je pense que c'est très symptomatique, la question des agressions policières. Nous savons parfaitement que la Tunisie a été un régime autoritaire policier, principalement, que ces appareils policiers répressifs n'ont pas. Les gouvernants successifs de la Tunisie ont instrumentalisé, notamment contre les journalistes de terrain. D'ailleurs, si on observe la majorité écrasante des agressions contre les journalistes, on va remarquer que ce sont les preneurs d'images qui sont ciblés par les policiers. Donc ça, d'un point de vue législatif et politique, du point de vue économique. Malheureusement, là aussi, l'échec est le plus cuisant. C'est-à-dire que pour favoriser la liberté de presse, il faut bien qu'il y ait un écosystème pour la presse qui soit assez durable, qui puisse sortir les professionnels du secteur d'une précarité historique. Donc il y a eu cette impuissance-là. Et cette impuissance économique n'a pas du tout été arrangée par les acteurs du secteur, à mon sens. C'est-à-dire que les acteurs du secteur, que ce soit étatique, nous les nommons souvent à tort public, mais aussi les corps professionnels, l'instance de régulation, n'ont jamais réellement porté de réflexion sur la question. Mais d'abord, c'est bien évidemment la responsabilité de l'État qui n'a aucune vision, aucune politique publique en la matière. Résultat des courses, on s'est retrouvé avec un paysage médiatique dominé d'abord par les sbires de la dictature. Ils ont maintenu leur place, voire développé leur activité. Il y en a même qui ont obtenu des licences de chaînes de télévision. Le cas Semiferi reste le plus remarquable en la matière. Et d'autres qui ont eu des prérogatives élargies. C'est-à-dire que, par exemple, pour des médias qui travaillaient sous la dictature comme Nesma, comme Mosaïque, comme Shams, ils n'avaient pas le droit de traiter de la politique. Donc, c'est plutôt une aubaine et une opportunité. Quand la révolution a eu lieu, ils se sont émancipés, entre guillemets, de l'emprise des cahiers de charges et des engagements signés auprès du pouvoir de Ben Ali, et ils se sont émancipés. Et cette situation a impliqué une sorte de forme de concurrence déloyale entre les nouveaux médias qui essayaient de trouver leur place et les médias qui se sont déjà installés. Cette situation, malheureusement, l'AECA n'a pas traité les choses de sorte à rééquilibrer les choses, qui est l'autorité de régulation. Et sa mission dans sa facette économique est restée très timide, très discrète, et s'est concentrée sur les questions éthiques, professionnelles, qui ne sont pas d'une moindre importance, bien évidemment. Mais la question économique a été le parent pauvre, que ce soit de l'État, des gouvernements successifs ou des autres acteurs du secteur. J'aimerais passer à Marilyn. On discutait en neuf avant le débat et je vous ai demandé de qualifier cette année. Vous m'aviez dit assez sympa, entre guillemets. Mais comment vous avez vécu cette année justement en tant que journaliste, puisqu'on a constaté voilà, le recul est vraiment net. Et j'aimerais aussi avoir votre avis sur une nouvelle chose qui est véhiculée par le pouvoir, ce qui est une défiance envers les médias étrangers, les médias internationaux. On rappelle, ils ont été exclus du Parlement comme les médias privés tunisiens, par ailleurs, de la séance inaugurale du Parlement, et aussi sur la question de l'accès à l'information qui reste aujourd'hui très problématique en Tunisie. Bon, alors, déjà, bonjour à tous. En fait, je vais me permettre de dépasser un peu de l'année. Moi, je voudrais revenir au 14 janvier 2022. D'abord, je voudrais préciser que, en tant que correspondant de médias internationaux, notre pratique est peut-être un peu différente des médias tunisiens. C'est-à-dire que nos rédactions dans le monde, à Paris ou ailleurs, à Madrid, etc., nous demandent une vue plus globale de la Tunisie. Et donc, je pense que d'une certaine façon, on a plus de distance et donc on a une certaine protection parce qu'on n'est pas forcément toujours dans l'actualité que je qualifierais d'ultra local, mais qui est local qui est national en fait pour le pays. Donc voilà, je reviens au 14 janvier 2022 parce que pour moi, il y a eu un tournant. Ce jour-là, il y a eu cette manifestation. Il y a, je crois, une cinquantaine de journalistes tunisiens qui ont été
agressé. La manifestation était particulièrement violente. Nous, en tant que correspondants étrangers, on a un correspondant qui a été littéralement tabassé, pris, emmené et mis derrière des véhicules sécuritaires et tabassé. Bon, alors j'en parle, moi je connais très bien l'histoire puisque c'est quelqu'un qui m'est très cher. Mais derrière ça, il y a eu quelque chose où je me rappelle que ce jour-là, je me suis dit, il y a un changement. C'est qu'en fait, donc moi j'ai été longtemps présidente, enfin quelques années présidente du club des correspondants étrangers en Tunisie, donc je sais pas mal comment ça marche. Donc comme tu disais, il y a effectivement toujours eu quelques réflexes sécuritaires, des incidents, des choses qui se passaient pas bien. Moi en tant que présidente du club des correspondants étrangers, quand il se passait un petit incident comme ça, j'avais un coup de fil de la Casbah. On me disait, viens nous voir. On prenait un café. On me disait, bon, ben, il y a eu une erreur. On est désolé. J'avais des excuses en tant que présidente de cette association. Ce 14 janvier 2022, donc Mathieu Galthié s'est fait littéralement tabasser. Il n'y a eu aucune réaction officielle de la part du gouvernement, que ce soit d'un ministre ou de la chef du gouvernement. Personne n'est venu dire, bon, désolé, il y a eu une erreur, mais voilà, voilà, on est désolé. Et pour moi, ça, c'était le début. Ensuite, une autre difficulté qu'on a rencontrée en tant que correspondant étranger, c'est lors des élections, des législatives. C'est-à-dire que d'un coup, une loi qui existait depuis toujours a été appliquée et les correspondants étrangers n'avaient plus le droit de parler aux candidats. Puisqu'en fait, la règle, c'est que... Alors le texte officiel dit que les candidats aux législatives, aux élections, n'ont pas le droit d'utiliser les médias étrangers. Nous, quand on parle à un candidat et qu'on l'interview, on n'a pas l'impression que c'est le candidat qui nous utilise. Surtout qu'encore une fois, d'un point de vue étranger, savoir que le candidat de Gemna, je parle de Gemna parce que moi j'étais à Gemna à cette époque, a tel ou tel... projet ou programme, en fait, c'est pas ça qui va faire que ce candidat va recueillir plus de voix que ça, en fait. Nous, ce qu'on veut raconter, c'est la situation globale du pays, les enjeux de telle ou telle, enfin, des élections. C'est pas vendre un candidat parce qu'on, enfin voilà. Donc ça a été un gros problème. On a rencontré l'ISI, on a essayé de leur faire comprendre. Mais au final, on s'est heurté à comme une barrière, en fait. Et du coup, les candidats refusaient de nous parler. Et moi, j'ai eu des candidats, au début, je les appelais, et ensuite, ils voulaient même plus me répondre au téléphone, parce qu'en fait, ils avaient peur que leur élection éventuelle soit invalidée, parce qu'ils avaient parlé à des médias étrangers. Donc voilà, pour moi, c'était un tournant. Et puis, ensuite, février dernier, la vague d'arrestations, ça a littéralement posé une chape de plomb sur les sources, les gens qui veulent bien nous parler. Cette histoire de ces accusations de complot contre la sécurité de l'État, avec le dossier qui est sorti, ça a forcément attiré la peur de sources. En fait, elles ont peur, c'est même pas parce qu'on est journaliste, c'est juste parce qu'on est étranger. Elles ont peur de rencontrer des étrangers. Donc, et au niveau de parce qu'au niveau du Parlement, par exemple, le jour inaugural, il y avait des éléments de langage comme quoi les médias internationaux n'étaient pas les bienvenus parce qu'ils pourraient véhiculer une image qui serait fausse du pays. Est-ce que ce genre de discours qui est devenu un peu en vogue, même au niveau des officiels, justement, est-ce que vous l'avez ressenti d'une certaine manière, même aussi dans ce sens ? Alors ça... moi, ce concept en fait, d'image de la Tunisie, je l'ai découvert en arrivant ici et j'ai trouvé que c'était très fort. Moi, je suis arrivée en 2015 et en 2015, c'était déjà quelque chose qu'on nous reprochait par rapport aux attaques terroristes. Dès qu'on parlait des attaques terroristes, c'était « Ah oui, mais vous faites passer notre pays comme un pays terroriste bah, ». On racontait les attaques, en fait. Je veux dire, des attaques terroristes, il y en avait aussi en France. Bon, voilà, on les a couvertes de la même façon. Aujourd'hui, ça revient de façon plus forte. Alors, c'est vrai que cette histoire au Parlement, bon, on l'a tous vécu, hein, parce que les médias tunisiens aussi ont été interdits d'entrer. C'est assez comique, parce qu'en fait, on empêche la presse de rentrer dans un Parlement pour se prévenir des actions de ce Parlement même, en fait. On veut cacher ce qui se passe, alors que... Bah, je sais pas, peut-être qu'il faudrait d'abord discuter. Ouais, et puis c'est à eux
de se comporter de façon à ce que l'image se passe, enfin, passe bien à la télévision, que ce soit nationale ou étrangère. Donc c'est vrai que c'était très étrange. Et alors maintenant, on a le droit d'y entrer, mais en fait, on a un circuit particulier. On n'a plus le droit, il n'y a plus de salle des pas perdus où on peut attraper un député. C'est très encadré. Et ça, du coup, et cet encadrement, en fait, est vraiment handicapant parce que finalement, comment on obtient le numéro du député si on n'arrive pas à l'attraper en sortie d'une session du parlementaire ? C'est quand même très compliqué. J'aimerais reprendre avec vous le rapport de la SNJT paru aussi le 3 mai est assez, assez alarmant. Il souligne un nombre de records d'agressions, comme l'a souligné Thème, de nouveaux types de lois qui sont mobilisées contre les journalistes. Vous qui aviez justement, après la publication du rapport, rencontré le ministre de l'Intérieur dans une voilà qui était une rencontre assez surprise pour l'opinion. Comment on explique du côté des officiels, est-ce que cette question a été soulevée justement du harcèlement policier, de cette chape de plomb entre guillemets qui est en train d'être mise en place par rapport aux journalistes? Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce qu'il y a une conscience déjà du nombre de ces agressions, de cet arbitraire qui s'installe? Merci. D'abord, merci pour ce témoignage parce que c'est important pour nous de savoir comment les journalistes étrangers travaillent en Tunisie. C'est vrai qu'il y a un grand changement, mais seulement si on fait la comparaison, vous travaillez sur la région aussi. Donc il y a beaucoup de difficultés, surtout en Algérie. Il y a des difficultés sur certains thèmes au Maroc. Et bien sûr, il y a une situation très délicate, par exemple, au Soudan ou en Libye. Comme vous savez, par exemple, en Libye, depuis novembre 2017, il n'y avait pas des journalistes qui ont pu travailler sur la question de migration après le reportage de CNN. Donc, la situation en Tunisie, ça reste, il y a des possibilités si on peut dépasser ces problèmes. Bien évidemment, j'ai parlé sur la situation des journalistes étrangers avec le ministre. Et il m'a promis qu'il y aura une réunion avec les représentants des... Donc je vais voir avec Nathalie, je l'ai appelé, on va voir. Mais il y a beaucoup de problèmes. Il y a des cas comme Mathieu, hein, pour ses papiers aussi, c'est pas seulement pour la question d'agression, mais il y a des situations très délicates. Pour l'accès à l'information, je pense que tous les journalistes en Tunisie ont des difficultés. Seulement, il y a des journalistes qui trouvent des conseillers quand l'agence de presse ou les responsables comme... ne répond pas. Les journalistes étrangers, généralement, ils respectent les institutions. C'est pour ça. Mais pour les Tunisiens, ce que j'ai remarqué, en fait, qu'ils peuvent parfois trouver les informations, mais les institutions de l'État ne respectent pas la loi pour l'accès à l'information. Sinon, ils doivent absolument, il y a beaucoup de choses qu'ils doivent publier systématiquement. Ils ne font pas ça. Et puis, pour les demandes d'accès à l'information, ils ne répondent pas. Donc pour les exactions, donc c'est vraiment, c'est pas seulement pour l'année 22, ça a commencé après 2019 en fait. Et ça aussi on peut le remarquer pour les rapports de la CNJT pour l'unité de monitoring, donc publié chaque 3 mois. Et on a commencé à appuyer cette unité depuis l'année dernière pour certains aspects, surtout la traduction, parce que il y a certaines organisations, des agences tunisiennes qui ne peuvent pas voir ce rapport parce qu'il est publié seulement en arabe. Et on a commencé par ça, mais aussi pour la question qualitative, parce qu'il y a un travail technique très important. En tout cas, oui, il y a des plus d'agressions. C'est pas les agressions physiques seulement, c'est des agressions au sein des rédactions pour la censure. Il y a des agressions concernant la situation. Bien sûr, nous, on ne travaille pas sur la question sociale, mais aussi il y a beaucoup de dépassements des médias en ce qui concerne les situations et les contrats des journalistes, parce qu'on travaille essentiellement sur la liberté de la presse, donc l'environnement de travail des journalistes. Pour nous, les chiffres de la CNJT, c'est une référence pour nous, parce que d'une part, la CNJT, c'est notre premier partenaire, mais dans les autres pays, c'est un peu difficile de prendre tout ce que publient les organisations de médias. Il y a beaucoup d'influence des autorités. Heureusement, en Tunisie, donc, il y a un syndicat indépendant
Il y a des syndiqués jusqu'à maintenant qui essayent de travailler non seulement sur les objectifs directs d'un syndicat quelconque, mais pour les questions des libertés en général. Et ça, ce qu'a mis la CGT au centre de travail des ONG, que ce soit nationales ou internationales. Donc, et pour l'exemple de l'unité, c'est vraiment une très bonne pratique. On a commencé déjà à travailler sur le Soudan pour cet exemple, donc, mais on n'a pas pu continuer. Donc j'aurais dû voyager le 8 à Khartoum, mais donc c'est impossible maintenant. On essaie tout simplement de suivre la situation des journalistes bloqués partout dans le pays, surtout dans le grand Khartoum, Bahri, Omdurman et Khartoum. Mais voilà, donc même pour les agences tunisiennes, donc ils considèrent que le travail de la CGT est très important, surtout le commissariat des droits de l'homme et l'UNESCO. Ce qui concerne les journalistes aussi, c'est les journalistes poursuivis devant la justice. C'est pas seulement avec le décret loi 54. Donc il y a cour militaire, il y a le code de télécommunication et le code pénal. Cette pente entre le 115 et les autres textes, c'est vraiment une chose très grave. Femra déjà évoqué que la question de cadre légal, c'est pas nouveau. Pour nous, on ne juge pas le système politique. C'est pas parce qu'il y a Qais Saïd maintenant, mais on savait très bien qu'il y a une commune, il y a des problèmes. Si on ne trouve pas des solutions dans 2-3 ans, ça devient des problèmes systématiques où ça demande beaucoup d'efforts. Pour la réunion avec le ministre, bien sûr, j'ai demandé que ce soit une rencontre en tant que membre du gouvernement et pas seulement le ministre de l'Intérieur, parce que là, on sera borné sur les questions de sécurité des journalistes, du travail du terrain, des photojournalistes ou des journalistes. Donc, on a évoqué toutes les questions. Et pour nous, nous pensons que la question du dialogue est très importante. Donc, on a demandé qu'il faut ouvrir le dialogue, c'est pas seulement avec RSF, bien sûr, mais avec aussi les partenaires locaux, essentiellement la CGT et le GCT, parce que les syndicats qui représentent les journalistes et pas les organisations internationales comme RSF, nous, on appuie le travail des organisations locaux. On a demandé, bien sûr, ce qui concerne le décret loi 54, de retirer complètement le texte, et j'ai demandé qu'il faut commencer par le gouvernement. Madame Jaffel est la présidente du ministère public, donc elle doit pas donc poser des plaintes contre les journalistes à la base de cette loi, et aussi la question des deux derniers journalistes, donc Mounir Alfaoui et Mohamed Bourghaleb, qui devient vraiment quelque chose d'inacceptable, incompréhensible et très grave pour la journée. Parce que c'est pas seulement les cas des journalistes, c'est le climat de travail des journalistes. Maintenant, il y a beaucoup d'autocensure. On a ressenti ça, on parle avec les journalistes dans les rédactions, on a vu qu'il y a des questions des journalistes qui ne peuvent pas aborder des questions. Même qu'il y a, je dis très bien qu'il y a une résistance, même pour les médias publics. Dans les radios, par exemple, dans les régions, les 5 radios, il y a beaucoup de journalistes qui essaient toujours de conserver cette pluralité. Donc il y a des invités, des journalistes critiques, des opposants, des informations qui concernent les manifestations et les actions de l'opposition en Tunisie. Donc ça, c'est important. Mais nous pensons que ce n'est pas très... très positif d'ouvrir le dialogue, mais ça reste que les autorités. Il faut que ce soit suivi d'actes. Voilà, donc il faut. Nous, on va envoyer des propositions et on espère qu'on va mettre en œuvre un plan d'action de dialogue où on peut avancer sur certaines questions. Dans quelques jours, j'aurai une réunion avec le président du Parlement. J'espère aussi pour. C'est pas la fonction législative, parce que c'est pas un pouvoir maintenant selon la nouvelle constitution. Donc la fonction, donc réagisse par rapport à ce blocage du cadre légal tunisien depuis plus que 10 ans. D'accord. C'est une transition très par rapport à qu'est-ce qu'être journaliste aujourd'hui en Tunisie. Depuis le 25 juillet, on constate une déconnexion entre les autorités et les médias, un climat de défiance qui s'installe, zéro interview donnée, zéro conférence de presse données, toutes les prises de parole vont à l'encontre des médias, harcèlement policier, accès à l'information assez réduit. Comment on travaille aujourd'hui sur l'actualité en Tunisie avec
toute cette hostilité qui revient du jour au lendemain. Puisque voilà, on vient d'en parler, la différence est énorme entre 2019 et aujourd'hui. Entre temps, il y a eu le Covid. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'être journaliste aujourd'hui en Tunisie au jour le jour? C'est la merde. Déjà, il y a de grands soucis par rapport à la question de l'accès à l'information. Et rappelons que c'est un droit citoyen. Ce n'est pas un enjeu professionnel seulement ou exclusivement pour les journalistes. Donc c'est un véritable enjeu pour l'ensemble des citoyens. Évidemment, comme tu l'as déjà rappelé, il y a une difficulté d'accès aux sources officielles, il y a un manque de coopération, il y a une concentration des pouvoirs chez la présidence de la République et en même temps une concentration du blackout chez la présidence de la République aussi. Et par conséquent, travailler, c'est très difficile, et donner de l'information aux citoyens, c'est très difficile. Bon, après, les journalistes, ils ont une autre option. Taper sur le pouvoir, c'est beaucoup plus simple dans ce cas-là. Et ben, quand toutes les portes, toutes les issues sont fermées, ce qu'il faut, c'est un peu taper dessus. Et ça, peut-être que les journalistes tunisiens devraient apprendre à le faire plus souvent et d'une manière plus méthodique, et doivent le faire exprès, c'est-à-dire militer pour les libertés, c'est aussi utiliser chaque centimètre de tout espace de liberté qui pourrait éventuellement se présenter. Malheureusement, la réaction, du moins à la tête des médias, parce que les journalistes, par exemple, si on s'en tient aux journalistes qui sont représentés par le Syndicat national des journalistes tunisiens, leurs positions sont claires. Du moins à travers ces institutions, la dénonciation des différentes violations, le rappel de l'importance de la conservation de certaines libertés, etc., ce rôle-là, mais aussi la lutte contre la précarité économique. Par ailleurs, les autres médias se sont très mal adaptés à cette nouvelle donne. Tout d'abord, et ici, on voit clairement l'importance d'une défaillance majeure dans le paysage médiatique tunisien. C'est que les médias ne revendiquent pas de ligne éditoriale. Ils n'estiment, surtout quand on parle des médias audiovisuels, ils n'estiment même pas que c'est nécessaire d'avoir une ligne éditoriale clairement assumée. Par conséquent, la glissade avec le verrouillage du pouvoir, ce qu'ils ont trouvé comme solution à la fois pour pouvoir garder une certaine capacité concurrentielle en matière d'audience, mais aussi pour avoir une information du pouvoir. Ils ont ramené des figures propagandistes du pouvoir. À chaque pouvoir, c'est l'échebotte. Et ce pouvoir-là n'a même pas appelé des gens à jouer le rôle des lèche-bottes. Les lèche-bottes se sont présentés et les médias les ont recrutés et payés pour qu'ils jouent les lèche-bottes du pouvoir. Je m'explique davantage. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, dans la majorité des radios, la tendance passe aussi à la télé, mais il y a une dépolitisation des chaînes de télé que vous pouvez comprendre encore davantage dans un article sur Nawet par Rihab Boukhayateya sur la dépolitisation de la télévision en Tunisie. Mais par exemple, par rapport aux radios, chacune a trouvé la solution, selon eux, dans l'équilibrisme. Ce qu'on qualifie d'équilibrisme, c'est-à-dire d'être sur un plateau et de ramener un opposant et un mec pro-pouvoir. Et les deux ne sont pas des invités, mais ils font partie de la proposition éditoriale de chacune de ces radios. Résultat, dans chaque radio, chaque drive time, on trouve un mec pro-Saïd qui devient, lui, la source de l'information. Et on voit le recyclage, par exemple. L'exemple le plus caricatural en la matière, c'est une émission animé par Brehen Psaïs, avec, comment il s'appelle, le bougre, là Najib Dziri. Oui. Et je ne sais plus Mourad Zridi ou machin, quelqu'un qui fait que voilà, le mec critique par rapport au régime, etc. Donc tu as... Et c'est une image très caricaturale, parce que on voit d'abord cet équilibrisme, Najib Dziri, qui est un mec qui croit au premier hoax qui circule sur Internet, etc., et qui balance ça sur antenne avec toutes les responsabilités du monde.
Et l'intervieweur, le mec qui tient la boutique, c'est un banaliste zélé. C'est quelqu'un qui se targuait d'avoir bien collaboré avec les services de renseignement. C'est-à-dire qu'être flic, pour lui, c'est une fierté. Bref, donc on se retrouve avec des énergumènes dans ce genre qui dirigent le débat public, mais aussi qui font office d'alternative aux sources officielles. Et dans chaque radio, on en trouve. La seule radio, et on parle de radio mainstream ici, on ne parle pas de médias indépendants, ou dissidents ou militants, la seule radio qui a fait le choix de maintenir une ligne éditoriale, elle a été clairement sanctionnée pour avoir une ligne éditoriale en s'en prenant à son directeur. Et rappelons-le, la question de la ligne éditoriale a été évoquée durant son interrogatoire et pas qu'une seule fois. C'était un élément crucial. Donc autrement dit, si on a une ligne éditoriale qui n'est pas pro-régime et on ne ramène pas pour édulcorer son contenu un représentant du régime sur le plateau, c'est qu'on risque très fort d'être pris pour cible. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas, j'ai nommé Nourdine Boutard pour Mosaïque FM. Et tout ça, on rappelle aussi que l'instrumentalisation de tout cela rejoint aussi le fioul de la répression. C'est-à-dire, comme Marilyn l'évoquait, la diabolisation, la collaboration avec l'étranger. Hop, parce que quand on est accusé de traîtrise, ça y est, on est complètement discrédité et on devient inaudible auprès de la population. Idem si on est accusé par ce pouvoir de corruption, de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale. Il n'y a pas à apporter la moindre preuve pour accuser les gens de cette manière, les souiller et les discréditer et les rendre inaudibles. Ce qui est très curieux et le plus intéressant avec ce pouvoir et la manifestation la plus claire, parce que les intentions, finalement, on n'en fait rien. Ce qui compte, c'est les actes, c'est les faits. C'est un pouvoir qui n'a engagé aucune, mais vraiment aucune, poursuite contre les partis politiques qui faisaient partie de ce qu'ils appelaient la décennie noire, et c'est un terme que je rejette entièrement pour parler de la période de la transition. En même temps, ils viennent vers ces gens-là et ils les discréditent. De quelle manière ? Traîtrise, corruption, machin, nanana. Directement, ils sont discrédités, ils n'arrivent plus. Mais par contre, aucune poursuite n'a été engagée contre les partis politiques qui ont des dossiers de corruption. On sait qu'il y a eu des infractions électorales majeures avec de la publicité politique. Pour Nahda, pour Aïch Tounsi, pour Nidetou, pour comment il s'appelle, Kalb Tounes, pour Ça a été démontré plusieurs fois. Voilà, donc, dans les rapports, au final, il n'y a pas de poursuite engagée contre ces gens-là. Par contre, il y a des dossiers montés à partir de quelques messages WhatsApp et des éléments d'enquête ridicules qui ont été pris en compte. Donc la volonté politique est absente. Tout le dispositif pseudo-moralisateur existant actuellement sert uniquement à justifier la répression. C'est tout. Pour rester sur les arrestations avec Sébille, juste aussi pour faire un petit point par rapport à où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui avec les affaires qui sont en cours, justement encore par rapport à votre rencontre avec le gouvernement d'une certaine manière. Est-ce que du côté du syndicat, de RSF, de la société civile qui entoure ces affaires-là, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont en réflexion pour porter ces causes-là qui sont, voilà, comme on l'a souligné, des atteintes très graves par rapport à la liberté de la presse et voilà, les remontées des dossiers font état de dossiers quasi vides. Donc, est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ce qu'il faut faire après si la situation va perdurer et que ces arrestations n'aboutissent pas à des procès du moins équitables? Bon, sincèrement, pour Khalifa Ghesmi, Mounir Arfaoui, Mohamed Bouraleb, donc pour le moment, on travaille sur la formation. Donc, on essaie d'informer et de remonter l'information aux médias, que ce soit en Europe, mais aussi dans d'autres pays du monde. Seulement avec Nourdine Boutard, donc on est membre du comité de soutien de Nourdine Boutard. Et comme vous savez, donc on travaille sur le plaidoyer institutionnel. Donc on est en contact avec
des institutions onusiennes telles que le groupe travail pour la détention arbitraire et les rapporteurs spéciaux. Donc on travaille maintenant sur ça. Et bien évidemment, on envoie des messages pour certains, parce qu'il faut faire la pression, tel que le Parlement européen, par exemple. Donc, il y a des personnes qui ont demandé des informations. Donc, les informations, c'est ce que la Défense nous a donné, en fait, parce qu'il n'y a pas d'autres informations d'autres sources officielles, même pas de la justice, mais essentiellement, c'est le comité de défense qui nous a donné des rapports sur l'interrogatoire de Nordine Boutal, mais aussi sur leur vision sur ça. Donc, on a des réunions la semaine prochaine pour élaborer un plan d'action de soutien de Nordine Boutal et on va le mettre en œuvre. Bien sûr, RSF va travailler sur le volet international essentiellement. C'est vrai qu'on a commencé par cette conférence de presse le 2, mais je pense aussi c'est important la solidarité dans le média, c'est important, mais aussi des journalistes, des organisations nationales et internationales. C'est vrai qu'on ne savait pas qu'est-ce qui va se passer avec les autres journalistes. On essaie d'être toujours avec eux, à leur soutien. On est en contact avec le syndicat et le journaliste eux-mêmes et les avocats. On a organisé récemment une réunion à la CNJT avec des avocats de Mounir Arfé et Mohamed Bourrelet pour comprendre au mieux les enjeux dans la justice, parce que c'est pas clair pour nous. C'est nouveau aussi, ces poursuites. Et nous pensons qu'il faut aussi faire la pression dans les médias tunisiens. Donc, Thème, tu as raison. Donc, il y a il n'y a pas assez de publications sur ces questions dans les médias. Il y a quelques médias qui publient les CP, les positions de la CNJT, des déclarations du bureau exécutif, mais je pense que aussi la solidarité dans le secteur est très importante, parce que c'est le message le plus important aux autorités, que tous les journalistes tunisiens sont concernés par ces dépassements, et surtout que, comme l'a évoqué Femel, donc ce sont des dossiers vraiment, vraiment vides. Mounir Arfé, oui, le dernier procès, ce sera sur interrogatoire, ce sera sur un commentaire, sur une publication où il a écrit bravo seulement. Donc c'est quatre lettres. Donc ils peuvent, un journaliste peut être jugé pour 10 années de prison pour un commentaire sur Facebook. Si tu peux me permettre, donc je veux. Justement, parce que Femer a évoqué une question très importante, la question de la liberté de la presse ne concerne pas seulement les journalistes. Donc, parce que le droit à l'information est un droit fondamental des droits de l'homme, et le journalisme a un rôle sociétal très important. Et c'est pour ça que depuis 2018, on a lancé l'initiative Information et démocratie. Si tu te souviens, donc, c'était une déclaration de 26 personnalités, parmi eux 11 prix Nobel, mais après on a donc on a commencé par le forum. Ce sont deux forums, en fait. Un forum où il y a des groupes de travail, des journalistes, des experts de médias, et un deuxième pour les États. La Tunisie était un pays initiateur. Et Béji Khaled Sebsi, donc pendant la déclaration, c'était lors du forum de la paix à Paris en 2018, donc il était parmi les 5 décideurs qui ont annoncé la déclaration. Et puis, depuis 2019, donc, il y a des rencontres avec d'autres pays qui vont rejoindre cette initiative. Donc, on est maintenant à 48 signataires. Et normalement, les pays initiateurs, ils accueillent les nouveaux pays. La Tunisie était absente. 19, 20, 21, 22. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas de vis-à-vis avec les autorités tunisiennes d'un pays initiateur. Maintenant, sur le forum où il y a les experts et les journalistes, on a publié 5 grands rapports. Parmi eux, le rapport New Deal for Journalism, qui, je le considère un rapport très important, parce qu'il y a tous les aspects juridiques, sociétals, les aspects de la situation sociale des médias, la durabilité des médias, des propositions de tout le monde. Donc il y a même des Tunisiens qui ont participé sur ça. Donc la presse tunisienne, à travers ces organisations et les journalistes, elle est toujours présente
sur le plan international, mais l'État tunisien qui est absent. Et ce n'est pas notre faute. Et c'est ce que nous avons demandé à travers des lettres et des communications avec même le gouvernement actuel. Nous demandons, il faut avoir des personnes avec lesquelles on peut parler pour avancer. Par rapport, je vais passer à Malim, par rapport à la communication qui est quasi inexistante aujourd'hui. On a les nouvelles du pays via une page Facebook à 4h du matin, potentiellement, pour des informations peut-être cruciales. Pour revenir peut-être sur l'arsenal juridique et les enjeux judiciaires dont les journalistes font face, comment on vit ça déjà en étant journaliste ici et en constatant justement cet aspect arbitraire parfois de ces arrestations? Est-ce qu'on fait attention, on a des réflexes ou pas, d'une part, et d'autre part, peut-être aussi pour avoir été dans d'autres pays, ce que vous avez vu, des situations qui pouvaient être comparables, parce que, par exemple, cette année, le classement RSF, toute la région est quasi dans le même niveau, Libye, Égypte, Maroc, Algérie, tous au-delà de la 120e place, et avec certains pays, avec des prisonniers même emblématiques, on pense à Omar Radi, on pense à Hassan Qadi, etc. Est-ce que c'est... comment vous jugez le niveau de répression actuelle par rapport à peut-être ce qui peut exister Alors moi, j'ai pas du tout, je comprends la logique, mais j'ai pas du tout envie de comparer la Tunisie aux pays voisins, parce qu'en fait, la Tunisie, ces dernières années, c'était, ce qu'un de vos collègues m'a dit il y a quelques jours, un îlot de démocratie dans la région. Et c'est vrai, je veux dire, on va pas comparer la Tunisie à la Libye. Moi, j'étais en Libye, donc c'est pour ça que je parle de la Libye. Mais en fait, je pense que les trajectoires sont complètement différentes, et du coup... J'estime qu'il ne faut pas comparer, en fait. Parce que nous, on l'a vu, il y a énormément de journalistes étrangers ces dernières années qui venaient s'installer en Tunisie, puisque c'était le pays où on pouvait travailler. D'accord. En Égypte, c'était compliqué. En Libye, la situation, voilà. En Algérie, au Maroc, c'est difficile d'avoir une résidence, un statut. Donc la Tunisie, c'était le pays où on pouvait vivre normalement, travailler normalement et éventuellement voyager dans les pays aux alentours. Donc voilà, c'est pour ça que moi, j'ai pas trop envie qu'on compare. J'ai l'impression que c'est presque... Voilà, mais parce que depuis 2 ans, on constate un recul qui peut rappeler d'autres expériences. C'est pour cela. Après, peut-être. Ce qui s'est passé, les arrestations, donc pour moi, c'est le mois de février, c'est l'arrestation de Noureddine Boutard et d'autres, puisqu'il y a cette histoire de complot contre l'État qui touche les journalistes étrangers d'une certaine façon, puisque les sources n'ont plus envie de nous parler, du coup. Moi, le mois de février a été vraiment un tournant. C'est-à-dire que je m'entends maintenant au téléphone, quand j'appelle quelqu'un, dire « je voudrais vous parler ». Après, étant donné la situation, ça peut être du off, je peux vous faire relire mes citations. Et ma phrase habituelle maintenant, c'est « je ne suis pas là pour vous poser de problème ». C'est-à-dire que moi, quand je parle à quelqu'un, j'ai pas envie que, parce que je l'ai cité dans un article, il soit arrêté. Et c'est ma peur, en fait. Donc je m'auto-censure et des fois, je censure même ce que m'a dit une personne parce que je me dis « non, ça, il s'est pas rendu compte ». Et je propose à la personne qui me parle de se censurer ou de me censurer. En gros, je suis dans... Il y a une certaine façon... On nage dans un brouillard où on ne sait pas à quel point ce qu'on écrit ou ce qu'on nous dit peut être dangereux. Donc on est ultra précautionneux, voire même paranoïaque. Je fais attention à mes tweets. Des fois, je me dis « Ah, il ne faut pas retweeter. Je ne peux pas liker un commentaire sur Facebook. » Je fais extrêmement attention, moi, à ça. Et je pense que je ne suis pas la seule. Vous en parliez tout à l'heure, parmi les correspondants étrangers. Pour avoir une résidence en Tunisie, on renouvelle à chaque fin d'année 2000. Donc là, on a fait les demandes fin 2022. Il y a quelques correspondants étrangers à l'heure actuelle qui n'ont toujours pas leur résidence 2023. Ça veut dire que depuis janvier 2023, ils n'ont pas de papier, en fait. Ils ont juste la carte de presse tunisienne qui leur permet de travailler, mais ils ne sont pas résidents. S'ils se font arrêter, ils peuvent être expulsés comme n'importe quel migrant illégal en Tunisie. Et ça, c'est quand même une épée de Damoclès sur sa tête. On se dit, si on écrit un article qui ne plaît pas, est-ce que demain, on ne va pas venir me chercher en me disant, mais officiellement, on vous évacue du pays puisque vous êtes illégaux. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça. Je voudrais aussi dire, dans la pratique du journalisme depuis le mois de février, je découvre de nouvelles méthodes, c'est-à-dire qu'il y a des militants ultra connus qui parlent, qui tweetent, qui sont très durs. Moi, j'en ai plusieurs comme ça, que j'appelais facilement, à qui je pouvais parler très très facilement. Ces gens-là, aujourd'hui, ils vont me dire,
Tu peux reprendre mes tweets, tu peux reprendre mes statuts Facebook, mais tu ne me cites pas. Tu ne dis pas que tu m'as parlé. Je ne parle pas. Enfin, je ne veux pas qu'on sache que j'ai parlé à la presse étrangère. Donc nous, on tombe là-dedans, en fait. C'est vraiment ultra compliqué. Et comme vous disiez tout à l'heure, donc on n'a plus aucun contact avec les autorités. Il n'y a quasiment plus personne qui nous répond. Ou alors on nous répond, on nous dit « je vous rappelle » et on ne rappelle jamais. On avait quelques contacts dans les ministères où on était un peu ami-ami, mais maintenant ces contacts-là, ils ne veulent plus parler aux étrangers. Encore une fois, on en revient sur ce complot contre la sécurité de l'État. Donc on est un petit peu handicapés. Et dernier point, je me rends compte aussi que même les employés d'ONG internationales, de grandes ONG, aujourd'hui, quand ils nous parlent, ils acceptent de nous parler, mais ils nous disent « tu cites l'ONG, tu ne mets pas mon nom ». D'accord. Donc il y a vraiment un climat de prudence généralisée auprès des contacts. Une dernière question par rapport à la commande des rédactions justement à l'étranger pour lesquelles vous collaborez et d'autres de vos collègues. Est-ce que justement ce climat-là diminue l'intérêt pour l'actualité en Tunisie ou au contraire l'augmente parce qu'il y a un personnage fantasque à la tête du pays, que c'est un recul spectaculaire? Comment c'est vécu aussi par les autres collègues qui sont peut-être dans d'autres pays? Ça dépend beaucoup des médias et de leur ligne éditoriale, de leurs intérêts. Moi, personnellement, je ressens, à l'inverse, un regain d'intérêt, en fait, pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais, parce que c'est assez compliqué. Et il y a une certaine... Je pense que le président Kais Saied intrigue, en fait, puisque personne ne le comprend, enfin en tout cas pas moi, je ne sais pas si certaines personnes le comprennent, mais c'est vrai que dans ses choix, dans ses prises de position, il intrigue, les gens ont envie d'essayer de comprendre en fait ce qui se passe en Tunisie. On va parler de l'avenir quand même, parce que on a assez évoqué cette année et ce qui a engendré ce recul qu'on a constaté cette année. J'ai envie de poser la question à Thémer, est-ce qu'on est au commencement d'un tunnel d'une dictature qui va mettre la presse à genoux, ou c'est une conjoncture et que les forces vives du journalisme vont s'interposer et conserver au moins un carré dans lequel il serait possible de s'exprimer encore librement? Sincèrement, je ne sais pas. Hein. Je n'ai aucune idée comment les choses peuvent se dérouler. Comme vous le voyez, le propre de ce régime, c'est qu'il est très imprévisible et qu'il est sans précédent aussi. Parce que Kais Saied a quand même cette particularité historique et internationale. Nous n'avons pas observé ou pu repérer jusqu'ici une expérience vraiment, vraiment similaire. C'est-à-dire que des populistes qui portent un habit de pseudo-outsider et qui arrivent au pouvoir, etc., ça, on l'a connu. Non, on l'a connu. Ouais. Mais de là à ce que la même personne soit sans parti politique, sans organisation et sans affiliation, et qu'il ne cherche même pas à conserver la loyauté des partis avec lesquels il a certaines sympathies ou des accointances. Et il arrive à rompre les liens avec tous ses alliés potentiels. Il n'a pas de structure, ne cherche pas à en avoir une, n'en cache pas une. Il n'y a même pas le leurre d'une forme d'organisation, anarchiste ou non autoritariste ou quoi que ce soit. On ne sait pas contre qui on se bat, en fait. Voilà, donc au final... le problème, c'est que ce régime, il est inédit. Est-ce qu'il a moi, je poserai la question autrement. Est-ce que ce régime, ce projet politique, plutôt que poser la question sur le rapport du projet politique aux journalistes, il vaut mieux, je pense, poser la question par rapport à ce régime en soi. À quel point peut-il être durable? Faisons l'analyse de la chose. Je ne pense pas que c'est un régime durable. Je pense qu'il va expirer. Ça tient à un petit malaise de santé pour que tout parte en couille. Voilà. Donc, finalement, cette assemblée, par exemple, c'est une assemblée de papier. Ce n'est pas une assemblée qui pourrait fonctionner sans que Kais Saied soit président. Il suffit de changer de président pour que tout ce projet d'assemblée devienne obsolète.
Également, les textes de loi promulgués jusqu'ici ne sont pas assez structurants pour construire un nouveau régime. Bien qu'il est dans un couloir, qu'il peut promulguer plein de lois et que le nouveau Parlement, bien qu'il soit tout récemment nommé, depuis l'investiture, ils ne font que parler du règlement intérieur. Ils n'arrivent pas à se décider. Donc, ce n'est un régime a besoin d'un nouveau cadre législatif pour être construit. Là, il y a la Constitution, elle est là. Elle a été précédée par le décret 117, etc. Mais ce sont des décrets, encore une fois. On ne voit pas de nouvelles lois organiques organisant la vie publique en Tunisie réellement, des amendements, machin. Mais aussi, il n'y a pas de nouvelles institutions capables de porter ce régime. Qais Saïd parle, par exemple, du Conseil supérieur de l'éducation. Il parle de plein d'autres projets. Mais pour l'instant, si on va nous focaliser sur les trois projets institutionnels créés par Saïd, l'Assemblée, on a parlé de l'étendue de sa fragilité. Il y a la commission de la réconciliation pénale, qui sont des bénis oui-oui, complètement ridicules. On les a vus au journal de 20 heures, les profils. Même le président de cette commission, il a été viré par le président. Donc il s'est excusé auprès du président parce qu'il l'a viré, parce qu'il s'est fait virer. Il n'a pas été à la hauteur des attentes du président. Il s'est excusé, le mec. Et le nouveau Conseil provisoire supérieur de la magistrature qui ne fonctionne manifestement pas vu que la magistrature tunisienne est sous l'emprise totale du ministère public et de la ministre de la Justice. Donc c'est un régime qui n'arrive pas à instaurer des lois, à implémenter de nouvelles institutions. Donc je ne pense pas que c'est un régime qui puisse durer. Maintenant, pour parler de la liberté de presse, tant qu'on va dire que ce régime n'a pas de quoi pouvoir durer, qu'est-ce qui va le remplacer? Le plus dangereux, à mon avis, avec ce régime qui ne va pas durer, c'est à quoi va-t-il laisser place? Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus la banalisation du flic dans le politique, la banalisation du militaire dans de la présence du militaire dans le politique, du recours à ces institutions, etc. Les exemples sont très nombreux. À quel point Qais Saïd se base sur ce qu'on appelle la hard power pour se maintenir en place et n'arrive pas à créer de nouvelles institutions. Donc la hard power va jouer un rôle crucial dans l'avenir face à ce régime qui ne se prolonge pas. Il faut dire qu'il y a un peu un côté peut-être salvateur dans la chose, dans le sens où la Tunisie ne se déguisera plus en république des institutions, de la transition. Non, tout ce blabla, tout ce masque va tomber. Et on va voir sur quoi repose réellement l'État tunisien. Ce mythe de l'État tunisien, performant, compétent, machin, nanana, qui arrive. Tout ce mythe-là va s'écrouler, va s'effondrer à ce moment-là. Et on va voir que l'État tunisien, c'est un flic et une matraque. C'est tout. Et là, il va falloir gérer cette situation. Avec quels paramètres, dans quels paramètres? Je ne suis pas non plus un Nostradamus, mais j'essaye de comprendre et d'analyser à partir de ce que l'histoire nous a offert comme enseignement. J'enchaîne avec Semil, justement, par rapport à ce que Semil disait. C'est justement cet État qui ne fait pas d'institution, dont le Parlement voilà, n'a pas de réel pouvoir, où la communication est rompue entre les différents protagonistes du sujet. Pour vous, quelles sont les prochaines étapes devant justement cette entité qui n'a pas de forme assez traditionnelle? Comment comptez-vous défendre justement les journalistes avec le syndicat, entre autres, sur la prochaine année du moins? D'abord, je demande à Thémer si elle peut nous écrire un article. Hein, parce que là, elle est bien juger le système politique actuel. J'espère que tu ne vas pas oublier, sinon il y a l'enregistrement ici avec les collègues. Écoute, on va continuer parce que il faut dire aussi que il y a d'autres partis politiques, d'autres forces politiques qui ont eu l'occasion pendant des années de faire des réformes. Un mandat et demi, je pense, pour Nahda Pounidetounes, c'est tout, donc pour mettre des nouveaux textes de loi.
pour aussi d'autres institutions pour garantir les libertés et le droit, mais ils n'ont pas fait. Maintenant, ils critiquent. 2019, il avait des forces populistes, même des groupes parlementaires populistes. On peut citer le Karama et le groupe de Abil Moussi, par exemple, parce qu'on les a cités déjà dans nos CPRSF et dans le rapport du 19 janvier 2022. Donc, il y a aussi d'autres forces politiques. Il y a ce pouvoir, mais il n'y a pas aussi d'autres alternatives pour le moment, parce qu'on a essayé avec d'autres forces politiques, ils ont échoué, ils n'ont pas essayé, et aussi c'était difficile. Peut-être que la résistance de la société civile en général, mais aussi les organisations du métier de journalisme qui ont pu conserver cette liberté jusqu'à maintenant. Avec ce pouvoir imprévisible, c'est vrai, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on peut faire, mais on a nos méthodes. Donc il faut chercher à faire la pression, à demander, à s'unir autour des organisations du métier, essentiellement les syndicats que représentent les journalistes. On peut travailler aussi avec les syndicats des patrons, mais on est obligé, parce que pour le Conseil de la presse, je pense, donc ils ont quand même fait un bon travail avec le syndicat et les autres partenaires, donc, mais aussi avec d'autres corps, avec les avocats, qui font un bon travail maintenant, surtout pour les comités de défense. Pour nous, on va travailler avec les députés, même qu'on ne connaît pas jusqu'à maintenant les blocs parlementaires, on ne savait pas qu'est-ce qu'ils veulent. Jusqu'à maintenant, ils discutent autour de la vote pour le règlement intérieur de Parlement. Il n'y a pas de texte publié par des membres ou des blocs parlementaires pour savoir quelle est les tendances. Est-ce qu'il y a des députés critiques, même qu'il y a un député hier qui est intervenu, Thémer, c'était pour la, je pense, c'était le matin avec la CGT. Donc ses propos étaient vraiment audacieux parce qu'il a critiqué le pouvoir, il a soutenu les journalistes. Donc on peut trouver des membres. Et c'est le problème parce qu'il n'y a pas de parti politique. Donc on ne peut pas savoir les programmes des partis qui peuvent être élus. Il n'y a pas jusqu'à maintenant des groupes parlementaires pour savoir est-ce qu'il y a des groupes parlementaires dans l'opposition, même qui n'ont pas, je pense, voté l'article qui concerne l'opposition dans le Parlement. Donc c'est vrai, on est devant un nouveau système politique qui n'est pas clair. Il n'y a pas d'autres alternatives politiques, hein, et il n'y a pas d'équilibre politique avec d'autres forces. Même l'opposition maintenant, il y a beaucoup de forces politiques qui ont été déjà au pouvoir. Et on est déjà critiqués. Et ils ont l'occasion de changer et de faire des réformes importantes. Ils ont eu l'occasion, mais n'ont pas fait ça. Pour nous, en tant qu'organisation internationale, bien sûr, on va faire la pression sur le pouvoir. Mais toutefois qu'il y a la possibilité de négocier, de chercher des solutions, on va avancer. Ce qu'on fait d'ailleurs avec d'autres, dans d'autres pays. Au Maroc, par exemple, il y a des possibilités de négocier, ce qu'on ne peut pas le faire en Tunisie. Donc, j'étais au Maroc avant le Ramadan, donc j'ai pu rencontrer des représentants du ministère de communication, du ministre délégué des droits de l'homme, le CNDH. Donc, il y a toujours des possibilités de trouver des pistes de négociation, mais aussi, si on fait la comparaison, au Maroc, on peut organiser des activités, des ateliers où il y a des journalistes critiques, il y a des représentants des associations et d'organisations des droits de l'homme. Donc il y a toujours des possibilités. On a pu même organiser un point de presse devant la cour d'appel à Casablanca lors d'un procès de Souleymane Rassouni et Omar Hadi. Donc, ce qui est difficile, c'est de travailler en Algérie. Si on peut travailler sur l'Algérie, depuis Tunis ou depuis Paris, mais c'est quasiment impossible de se déplacer. D'ailleurs, pour les manifestations internationales, telles que les manifestations sportives ou bien la dernière rencontre de la Ligue arabe, les journalistes, ils doivent absolument être hébergés dans un hôtel payé par le ministère des Affaires étrangères. Il faut se déplacer, il y a des bus.
un journaliste ne peut pas avoir une voiture ou un chauffeur pour se déplacer. Pour faire des stand-up, il faut avoir des autorisations. C'est vraiment un pays, c'est le Corée de l'Ouest pour nous. Oui, c'est l'Algérie. C'est vraiment, c'est, il y a, et puis, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'organisation de métier. Parce que maintenant, il n'y a pas un syndicat autorisé en Algérie. Donc, il n'y a que les réseaux sociaux. Et surtout, après le Hirak. Donc, le Hirak, c'était une occasion très importante pour les Algériens sur, c'est pas seulement sur la liberté de la presse, mais pour les libertés et les droits. Avec le confinement, donc, les autorités ont trouvé l'occasion pour fermer. Et maintenant, si vous, vous cherchez le dernier texte adopté sur la liberté de la presse, sur la presse en Algérie, il y a 2 semaines par les 2 chambres, donc c'est vraiment une catastrophe. C'est pas seulement le cas de Hassel Qadi, vous savez que vous le suivez, mais vraiment c'est un pays fermé où on ne peut pas trouver des personnes avec lesquelles on peut négocier. Et il y a beaucoup de journalistes, par exemple Jamil Loukil, qui ne peut pas voyager, pas, Saïd Boudour, qui est donc en garde à vue depuis des années, il y a Moustapha Benjema, aussi, il y a Khalda ne peut pas sortir, notre représentant aussi. Donc, les médias qui ont été fermés. Donc, vraiment, c'est une situation très délicate. Après Radio M, il n'y a pas de médias indépendants. Il y a quelques médias qui essaient, tels, quelques Twel et autres médias qui, voilà, donc ils essaient. Mais tu savais, il y a aussi un chercheur, il y a un journaliste, Moussa a été aussi journaliste à Twel, donc qui était emprisonné sur, dans l'affaire de Amir Abouraoui. Donc il y a une pression indirecte, même sur d'autres médias indépendants et des websites. La question au Soudan et en Libye, c'est clair, c'est une question sécuritaire. Au Soudan, il y avait des possibilités avant les derniers événements. Et les journalistes vraiment sont en danger. Il n'y a pas beaucoup de journalistes étrangers, heureusement. Donc, la plupart sont sortis. On a demandé au syndicat de faire une unité avancée. Mais comme vous le savez, c'est un pays aussi. Il y a 7 autres dictatures autour de... Donc, on a servi les Égyptiens en Éthiopie. Mais c'est vraiment, c'est quasi impossible de mettre une unité. On a fait ça en Ukraine. Mais dans la région, c'est vraiment très, très difficile. Donc, la comparaison, vous avez raison jusqu'à maintenant, on peut travailler en Tunisie avec toutes ces difficultés, mais c'est un peu plus difficile dans les autres pays. J'aimerais passer à Marilyn et on va passer au mot de la fin après. Justement, c'est quoi la suite? Comment vous imaginez un peu la suite? Voilà, cette année, on a vu, le bilan est tombé, on l'a tous vécu, c'était voilà, une année assez, assez tendue. Comment vous voyez l'avenir en tant que journaliste et en tant que... On peut parler, vous représentez peut-être vos collègues d'une certaine manière, correspondants étrangers. Comment vous voyez la suite? Est-ce que vous pensez vous organiser encore plus au niveau institutionnel? Est-ce que vous avez des réflexions dans ce sens? Et puis, voilà, un mot de la fin lié à ça. Alors, comment je vois l'avenir? Alors, sur la Tunisie, je ne me prononcerai pas. J'avoue que moi, il y a 2 ans, je n'aurais pas pensé qu'on arriverait à cette situation-là. Donc, je suis les choses. Chaque jour, je suis un peu plus étonnée. Alors, je ne sais pas, ça paraît peut-être naïf, peut-être que je ne connais pas assez bien le pays, mais à chaque fois, je suis surprise. Les arrestations, Noureddine Boutard, moi, il y a quand même une surprise. Donc, je ne m'avancerai pas politiquement sur une analyse. En tant que journaliste étrangère basée en Tunisie, moi, clairement, j'ai peur, en fait. Je suis désolée de dire ça comme ça. Quand Firas m'a appelé pour proposer ce débat, j'ai un peu hésité. Enfin, je me suis dit, quand il a appelé, de toute façon, je suis obligée de dire oui. Je vais pas commencer à dire non, à aller me cacher. Mais d'un autre côté, passer comme ça, être filmé sur les réseaux sociaux, je me dis que c'est pas une super idée, étant donné la situation. Moi, clairement... Alors, ça vacille, hein, parce que voilà, la situation est quand même vivable et on peut encore travailler. Mais de temps en temps, j'ai des petits coups de panique où je me dis mince, en fait, est-ce que si j'écris ça, je vais pas me faire expulser, arrêter? Je le dis honnêtement. Pour vous raconter, même il y a quelques semaines, tous les correspondants étrangers ont été appelés par un ministère.
On ne reçoit plus d'appels de ministère pour quoi que ce soit. On n'a plus aucune... Généralement, d'abord, c'est nous qui appelons et ensuite, en ce moment, personne ne nous répond. Ce ministère voulait juste nous inviter à une conférence de presse. Mais moi, quand j'ai vu le ministère l'appel, je me suis dit, ça y est, en fait, je vais être sortie du pays. J'ai une peur comme ça. Alors peut-être qu'elle n'est pas raisonnable. C'est mon sentiment personnel à moi. Et je pense quand même que je ne suis pas la seule. Après, comme je disais encore, il y a aussi ceux qui n'ont pas leurs papiers. Donc c'est quand même aussi un souci d'être illégal dans un pays où on travaille en plus dans des médias. Donc c'est visible, en fait. D'accord. Mot de la fin, Thème, avant de passer aux questions. Je n'en ai pas, on peut passer directement aux questions. Merci, Samir. Si vous avez un mot de la fin, si vous voulez conclure ce qu'on a discuté avant de passer au public. Non seulement c'est inquiétant qu'une consoeur étrangère donc, s'inquiète par rapport à la situation. Il a dit clairement qu'elle a eu peur. Donc c'est vraiment, ça le touche au corps. Et il faut vraiment qu'on travaille pour... dépasser cette situation. Pour nous, la Tunisie, ça reste une opportunité, même avec toutes ces difficultés. Et d'ailleurs, on a fait l'exercice pendant quelques années et vous avez trouvé ce pays agréable pour travailler sur la région. Donc on va essayer de continuer ensemble. Et il faut résister, nous aussi, à RACEF. Donc, ils ont demandé si le bureau doit partir ou rester, parce qu'il y a d'autres organisations déjà qui sont parties. Donc, mais pour nous, on a dit qu'il faut rester. Surtout, si on va partir de la Tunisie, on va partir à Paris. Ce n'est pas dans notre pays de la région. Donc, c'est le seul abri. Il faut essayer de le conserver. Merci beaucoup. Des questions, on a une question de Sabr et de Omar. Si vous voulez vous présenter, Omar, il y a un seul micro. Donc on fait les deux questions, après on répond une seule fois. Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci pour ce débat. Ce n'est pas une question, mais quelque chose que je voudrais ajouter. C'est à propos de la diabolisation des journalistes de la part du président de la République et aussi quelques ministres. Si vous vous souvenez... Des déclarations du ministre de l'Intérieur le 7 mars dernier et le hate speech contre les journalistes et en conséquence il y a eu le soutien populaire avec les journalistes qui est assez important à décliner. Aujourd'hui, les journalistes, ou bien seuls, les journalistes parlent des journalistes arrêtés ou bien accusés. Et ça fait mal. Aussi les activistes et la société civile. Hein. Mais ça fait mal au cœur pour moi en tant que journaliste freelance. Et merci beaucoup. Deuxième question. Bonsoir à tous et toutes. Omar Kardous, chercheur en Sciences Po et engagé dans la société civile. Et justement, je vais justement interagir avec vous tous et toutes. Je vais, en gros, hein, c'est que je vais commencer par ce qu'a dit Thémer, c'est que en fait, la liberté des presse, liberté d'expression, ça n'a jamais, ce n'est pas un acquis en fait, et ça n'a jamais été un acquis, et ça ne sera potentiellement pas un acquis parce que justement, dans les phases de transition démocratique, ça qu'a montré les expériences, c'est que à chaque fois, il y a des retombées et des reculs et justement des coups répressifs et liberticides. Mais je suis contre le fait de considérer que les attaques à la liberté de presse se sont produites juste à partir du 25 juillet. Ça s'est produit bien avant et aussi avec Firas, souviens-toi, même à Al-Bas, là, lorsque nous étions au Parlement, il y avait à chaque fois ces pratiques de liberticides, notamment lorsqu'il s'avère pour l'accès à l'information.
Mais aussi, je suis contre le fait de tout blâmer au pouvoir politique. Moi, je trouve qu'il y a aussi une part de responsabilité aux médias, du moins, je parle pour le contexte tunisien, dans le sens où, dans cette phase de démocratisation, on a vraiment l'impression que tout ce qui s'est passé en politique, il est resté accaparé par l'élite politique, en fait. Et l'élite politique, en fait, sont les professionnels de la politique, mais ils sont aussi, en fait, les médias et voilà, les personnes engagées dans la société civile. Et donc, en fait, et on parle de la politique comme si c'était, en fait, on parle des choses qui n'ont rien à voir avec le vécu, en fait, des personnes, avec leurs conditions socio-économiques. On parle vraiment de la politique politicienne, de c'est quoi la réaction de Abir Moussi, des islamistes, ce qu'a fait les islamistes. Et en fait, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que vivent les Tunisiens et Tunisiennes. Et ce qui a fait qu'au fait, au bout de 10 ans, en fait, il n'y a pas seulement le ras-le-bol de la démocratie, mais de la politique en tant que telle. Et donc, il y a tout un rejet, en fait, des médias et de la politique. Et moi, c'est ça, c'est la chose qui me trouble le plus, c'est parce que je me dis, en fait, mais il est où, en fait, le rôle des médias dans la conscientisation politique et, en fait, de la conscientisation, de la vulgarisation, de mettre l'importance de dire, en fait, les libertés sont importantes et ce ne sont pas des acquis et que justement, il faut y travailler parce qu'on le voit clairement maintenant avec tout ce qui se passe. Personne n'en parle. Moi, je reste ici dans une salle, on parle des libertés de presse, on n'est pas nombreux et c'est partout, hein. C'est pas seulement pour les libertés de presse, mais ça pour n'importe quelle autre chose de la société civile, hein. Ça, je vous le garantis. Voilà, merci beaucoup. Non. Pour ajouter peut-être à la première remarque, le rapport de la SNJT souligne une année record des incitations à la haine, 41 relevés contre 31 l'année dernière. Donc la question, est-ce que justement ce climat de défiance pourrait-il contaminer en gros la société et se transformer en une violence contre les journalistes dans la rue par des citoyens lambda? Et la deuxième question, c'est quand est-ce que les médias ont raté le virage pour être considérés partie de ce système qui a échoué entre 2011 et 2021, si j'ai bien compris la question. Donc, Thème, si tu veux, l'une des deux questions. C'est la parole divine. Oui. Mais bon. Je suis audible, ça va? C'est bon, ça passe. D'accord. Tu peux reprendre ta question, s'il te plaît, parce que je l'ai oublié. J'ai un autre thème. Le climat de défiance envers les journalistes qui est véhiculé par les officiels, est-ce qu'il peut se transformer en une violence de citoyens qui sont juste aveuglés par un discours de désinformation, justement envers les médias? Comme le dirait notre grand peuple, Sidija. Donc ça y est, nous y sommes. Il y a des journalistes qui ont été persécutés par des citoyens, des gens qui se revendiquent comme partisans de Saïd, etc. Et des journalistes ont été pris à partie sur le terrain lors de l'exercice de leurs fonctions, lors de manifestations. Les occasions sont très nombreuses. Et ici, il est très important de rappeler quelque chose, parce qu'on a tendance à banaliser ça ou considérer ça comme un espace virtuel. Non, les réseaux sociaux ne sont pas un espace virtuel. C'est l'expansion du réel. Et ce qui se passe comme campagne de lynchage contre les journalistes et les réactions d'un grand nombre de citoyens aux publications des médias en disent long par rapport à ce climat inquisitoire, ces attaques contre les journalistes, ce harcèlement, parce que quand il est aussi permanent et digital, il n'est pas moins pesant et moins impactant, et parce que surtout ça contribue énormément à propager un discours, une mentalité, des pratiques et à les légitimer, surtout à travers l'action présidentielle et le discours présidentiel, les différentes incitations à la haine dont tu parlais. Donc nous y sommes déjà, c'est dangereux, c'est très dangereux. Nous avons vu en Tunisie, nous avons passé une période à peu près entre 2011 et 2014, c'était une période charnière en matière
de lynchage facebookien, de campagne contre les journalistes qui se sont prolongées. On l'avait vu devant la télé nationale et qui se sont soldées par des agressions à l'arme blanche comprises contre des journalistes. Donc oui, c'est très dangereux, ça se passe, c'est en cours. Nous sommes déjà confrontés, malheureusement, à cette dynamique. Et il faut tout faire pour lui mettre un terme. Comment tout faire pour lui mettre un terme? Bah, je rappelle que défendre la liberté d'expression, c'est d'abord défendre la crédibilité des journaux et leur fonction à la base, c'est-à-dire informer le citoyen. Si ça devient un produit de première nécessité pour les citoyens, les Tunisiens se lamenteront moins pour les pénuries de sucre et défendront plus la liberté d'expression. Peut-être pour la deuxième question, Samir, par rapport à la question de, voilà, en gros, les violations de la liberté d'expression et de la presse ont toujours existé, entre guillemets, même après 2011. Quand est-ce qu'on a raté le virage pour pas considérer justement les médias qui ont travaillé pendant cette période-là comme faisant partie de ce système entier qui a échoué? Je vais commencer par ajouter quelque chose à ce que Thémri vient de dire, parce que c'est pas nouveau, en fait, la diffamation, le harcèlement en ligne. On a publié un rapport, c'était en juillet 2018. On a parlé des trolls et des robots. Donc il y a des trolls surtout en Chine. Ça compte des quelques milliers, les puces roses, parce que la plupart sont des filles. Au Mexique, c'est 35 000 personnes. En Inde, avec Modi, son trolls du parti au pouvoir. Pour la région, on a parlé de l'Algérie, qui a aussi cette armée électronique. Thémri, tu as raison, parce que après le harcèlement en ligne, il y a des personnes qui attaquent les journalistes. C'est pas dans notre région seulement. En Amérique, en 2019, il y a une personne qui s'attaque sur Twitter à un journal, et finalement, donc, les sorties n'ont rien fait. Donc, il est entré, il a tué 6 journalistes. Donc, la plupart des journalistes tués, ça, il y a cette diffamation sur les réseaux sociaux, s'il y a les attaques électroniques, il y a les faux profils, surtout pour les femmes, avec des photos porno et tout. Donc, il y a des journalistes qui ont arrêté de travailler complètement, ils ont quitté le métier à cause de ça. Mais c'est le climat politique qui, donc c'est derrière ça. En Tunisie, il y avait toujours cette diffamation, mais maintenant, il y a une certaine population encouragée par le discours de Kaysaïd. Il y a des Américains qui ont été encouragés par le discours de Trump quand il cible les journalistes en Italie aussi, avec des leaders politiques et des responsables politiques. Donc, toutes les fois, dans un pays, il y a la diffamation. Mais quand on a un leader populiste et qui attaque aux journalistes, il y a une vague de diffamation, une vague d'attaques sur les réseaux sociaux, et dans beaucoup de cas, il y a des attaques physiques. Il y a des journalistes tués, et des journalistes agressés et des médias qui ont été attaqués par des personnes. Parfois, ils ne connaissent pas pourquoi, mais ils sont pris par cette vague portée par des leaders politiques. Et vous souvenez, par exemple, Telef El Karam, qu'est-ce qu'on fait? Le mec là qui a une radio, je ne sais pas comment il s'appelle, Jazili, qui est passé directement devant les locaux de l'AECA, et ainsi de suite. Pour ta question, moi, je pense qu'il y a la question de résistance. On peut dire qu'il est important, mais Thémri, depuis un moment, il a parlé aussi, il a en fait critiqué objectivement le contenu journalistique, il a donné des cas. Nous, on a travaillé sur ça avec le JTI, Journalism Trust Initiative. Donc, je pense aussi qu'il faut travailler sur les contenus journalistiques, parce que c'est important. Toutes les fois qu'il n'y a pas une information fiable, il y a ces plateformes. On a dit pour le bilan 2022 qu'il y a des gouvernements qui tuent les journalistes, mais il y a des plateformes qui tuent le journalisme. Ça, c'est important, et il faut travailler sur ça. On travaille, c'est vrai, sur le renforcement des capacités des journalistes pour la numérisation des médias. On va travailler aussi
peut-être pour dans quelques mois avec les médias publics, surtout la radio, parce que c'est aussi c'est important. Mais je pense. Oui, c'est pour ça qu'il faut. On va travailler sur des projets des radios visuelles, en fait, sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc on va commencer par ça, parce que même l'expérience de la radio nationale, c'était pas vraiment quelque chose de top. Donc on va travailler en premier lieu avec sur Toa des radios des 11, je pense maintenant avec Zitouna. Voilà, ça, il faut aussi travailler dans le secteur, sur le secteur, sur les contenus journalistiques, sur la production journalistique, sur les thématiques. Parce que maintenant, pour les actions, par exemple, il n'y a pas de vision. Est-ce qu'on a la tendance de rassurer la population ou créer un état d'urgence? Est-ce que la question économique, est-ce qu'on a des magazines dans les médias qui traitent la question économique? Pour les médias publics, généralement, il n'y a rien absolument. Pour la question de migration, pour la question de sécurité, la sécurité dans le Méditerranée qui est importante pour la région, la question de la région et qu'est-ce que se passe pour le terrorisme. Donc vraiment, il y a des thématiques qui sont très importantes. C'est pas seulement pour des matières journalistiques, mais pour construire des idées, pour le savoir autour des faits qui se passent autour de nous. Remonter l'information, par exemple, pour la migration, c'est simplement, c'est occasionnel, il y a un bateau, des naufrages dans le Méditerranée, mais il n'y a pas de traitement journalistique sur la question et sur les relations bilatérales avec la France ou l'Italie ou l'Union européenne et tout ça. Donc ça aussi, c'est important. Donc il faut creuser pour que le journalisme fait ce rôle sociétal très important pour avancer. Non, je me permets juste un petit ajout, c'est aussi sûr. Aller en région, parce que moi j'ai l'impression, si je puis émettre une sorte de petit jugement, c'est qu'il y a quand même une fracture autour de Tunis et que les médias ne sortent pas tant que ça pour aller voir vraiment comment vit la population dans les régions internes, en fait. En dehors de la côte, encore une fois, c'est... On a l'impression que pour certains médias, c'est compliqué de... comme s'il y avait une frontière. Parce qu'il y a même des médias qui sont basés en région qui arrivent à... qui font le chemin inverse et qui s'installent. C'est ça, exactement. À Tunis, ouais. À la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Thémer. On vous retrouve à Newet toutes les semaines et dans le magazine. Marilyn Dumas dans les médias francophones et français. Et Sabir Bouaziz à RSF. On vous retrouve l'année prochaine pour le prochain classement. Est-ce qu'on va augmenter? Est-ce qu'on va chuter? On va le voir l'année prochaine. Merci à tous d'être venus. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et sur notre site newet.org. Merci beaucoup. Bonne soirée.